Let's close our eyes for prayers. Fermons les yeux pour la Father, prière. In the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, we pray for your understanding. Nous prions pour ton intelligence. Open our understanding yet again. Ouvre encore notre intelligence. To receive from you. Afin de recevoir de toi. In Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. God bless you, my beloved. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. We have been doing a book review. Nous faisons la révision des livres depuis un certain temps. Titled Slaves Who Lost Their Chain. Les esclaves qui aiment leur chaîne. Shall remain in their bondage. Ils demeureront dans leur servitude. It's a book written by our Father in the Lord. C'est un livre écrit par notre Père dans le Seigneur. Dr. D.K. Olukoya. Le docteur D.K. Olukoya. The G.O. Le surintendant général MFM worldwide. Des ministères MFM dans le monde entier. We are going to use chapter 12. Nous allons utiliser le chapitre 12 to round up pour clôturer this teaching cet today. Enseignement aujourd'hui. It's titled, il est intitulé Receiving the Yoke-Breaking Anointing. Recevoir l'onction de celui qui brise le joug. Recevoir l'onction. The yoke breaking anointing. L'onction de celui qui brise les jougs. My beloved. Mes bien-aimés. There is a level your anointing will get to. Il y a un niveau que votre onction doit atteindre. When it gets to that level. Et si l'onction atteint ce niveau. Your story will change. Votre histoire changera. There is anointing. Il y a l'onction that changes stories. Qui change l'histoire. There is anointing. Il y a l'onction that changes stories. Qui change l'histoire. You must know how to receive this anointing. Vous deviez savoir comment recevoir cette onction. The anointing that breaks the yoke. L'onction qui brise les jougs. Let's look at the book of Isaiah. Allons-y dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Ésaïe chapitre 10, 27. Open to the book of Isaiah. Ésaïe chapitre 10, verset 27. The book of Ésaïe chapitre 10, verset 27. Ésaïe chapitre 10, verset 27. I read. Je lis. And it shall come to pass. En ce jour. In that day. En ce jour, that his body shall be taken away from off thy shoulder. Son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. And his yoke from off thy neck. Et son joug de dessus ton cou. And the yoke shall be destroyed. Et la graisse because sera... of the anointing. L'onction et le joug sera détruit à cause de la graisse qui fera éclater le joug. La graisse fera éclater le joug. À cause de l'onction. This verse makes us to understand. Ce verset nous fait comprendre. That is the anointing that breaks the yoke. Que c'est l'onction qui brise les jougs. There is anointing that breaks the yoke. Il y a l'onction qui brise le joug. It is true. C'est vrai. That many people have been yoked to evil things. Beaucoup de personnes ont le joug de mauvaises choses. That il many est vrai destinies, que beaucoup de destinées, many marriages, beaucoup de mariages, many business, beaucoup d'affaires, the finances of people, les finances des gens, children, des enfants, properties, des biens, have been spiritually tied down. Ont été spirituellement liés. Have been spiritually held captive. Ont été spirituellement captives à cause de ce joug. All these things I just mentioned. Ces choses que je viens de mentionner. Can be yoked. Peuvent être sous le joug. It's only the anointing. C'est seulement l'onction. That can break this yoke. Qui peut briser ce joug. I'm praying for somebody here. Je prie pour une personne ici. Anything evil. Toute mauvaise chose ou maléfique. That you have been spiritually yoked to.
sous le joug duquel sous le joug sera brisé cette nuit au nom de Jésus. Sera brisé au nom de Jésus. So my beloved, mes bien-aimés, what you need in a situation like this, ce dont vous avez besoin dans une telle situation, is the anointing. C'est l'onction. Because it is only the anointing. C'est seulement l'onction that can break the yoke. Qui peut briser les jougs. What is yoke? Qu'est-ce que le joug? What is yoke? Qu'est-ce que le joug? It's an evil instrument. C'est un instrument maléfique. That the enemy uses que l'ennemi to tie down life and the good things of people. Pour lier la vie et les bonnes choses des gens. That the enemy uses. L'ennemi utilise cela pour lier les bonnes choses dans la vie des gens. It can be a rope. Ça peut être une corde. It can be a chain. Ça peut être une chaîne. It can be a padlock. Ça peut être un cadenas. It can be a wood. Ça peut être un bois. It can be a handcuff. Ça peut être des menottes. You can see an example of a thing being yoked together. Vous voyez l'exemple des choses qui sont liées ensemble. Two vous animals. Voyez les animaux, les they animaux, aux animaux. Wood or stick. On met le bois. In their neck. À leur cou. They will tie two of them together. Pour les lier. Some of them. Certains. They use this animal to carry loads. On utilise les animaux pour transporter des charges. On les utilise dans les fermes. They don't have their own choice. Ils n'ont pas de choix. So that wood that they put in their neck, c'est-à-dire ce bois qu'on leur met au cou, conduit cet animal de la manière dont il veut. Donc l'animal est dans la servitude. C'est un exemple de joug. The purpose of this yoke. Le but de ce joug is to control the lives and destinies of people. C'est de contrôler la vie et la destinée des gens. My beloved. Mes bien-aimés. A lot of people's destiny have been controlled today. Marriages. La destinée de beaucoup de personnes sont contrôlées. Breakthroughs. Les mariages, les percées. What you needed, my beloved. Ce dont vous avez besoin, mes bien-aimés, c'est l'onction. What is the anointing? Qu'est-ce que l'onction? What is anointing? Qu'est-ce que l'onction? Is God's instrument. C'est un instrument de Dieu. Or is the instrument that God uses? C'est un instrument que Dieu utilise his children. Pour délivrer ses enfants. What is anointing? Qu'est-ce que l'onction? Is the yoke-breaking power of the Holy Spirit. C'est la puissance qui brise le joug du Saint, la puissance du Saint-Esprit qui brise le joug pour libérer les enfants what de Dieu. What is anointing? Qu'est-ce que l'onction? It is the power of God. C'est la puissance de Dieu. That make the impossible to be possible. Qui rend l'impossible possible. What is the anointing? Qu'est-ce que l'onction? It is what the witches and wizards. C'est ce que les sorciers et sorcières voient dans votre vie that makes them to be afraid of you. Et qui font qu'ils ont peur de vous. What is the anointing? Qu'est-ce que l'onction? Is the fire of God upon your life. C'est le feu de Dieu sur votre vie. Is the fire of God upon your life. C'est le feu de Dieu sur votre vie. That follows you. Qui vous suit. Everywhere you go. Partout où vous allez. What is the anointing? Qu'est-ce que l'onction? It is what makes a way for you. C'est ce qui ferait un chemin pour there vous. Is no way. Là où il semble ne pas y avoir de chemin. You can see examples of Samson. Vous voyez l'exemple de Samson? In the Bible. Dans la Bible. When Samson was arrested and bound. Lorsque Samson fut arrêté et lié par l'ennemi, immediately the Spirit of God came
him. Immédiatement, l'Esprit de Dieu est survenu sur lui. His yoke was broken. Et son joug fut brisé. So anointing. Donc l'onction. Is the Spirit of God. C'est l'Esprit de Dieu. That comes upon one's life to deliver that person. Qui descend sur la vie d'une personne pour délivrer at cette personne. At that very point of. À ce moment précis. Your needs. De vos besoins. We need the anointing. Bien-aimés, nous avons besoin de l'onction. You need the anointing power of God. Vous avez besoin de la puissance d'onction de Dieu. A lot of people have been spiritually tied down. Beaucoup de personnes sont liées spirituellement. A lot of people have been spiritually tied down. What they need, les they need bénédictions the anointing. De beaucoup sont liées. I don't ceux know dont elles ont what besoin, they have done spiritually. L'onction. Je ne sais pas ce que l'ennemi a fait spirituellement. If you are not spiritually inclined, si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas inclin spirituellement, vous ne pouvez pas comprendre. There are wicked covens. Il y a les. There are evil forests. Il y a les forêts maléfiques, les couvents de la sorcellerie. To tie down destinies. Où l'ennemi est allé pour lier les destinées. Is to control the life of those people. Et le but, c'est de contrôler la vie de ces personnes. They do this thing through evil yoke. Et ils font cela à travers les jougs maléfiques. Where to receive the anointing? Et où recevoir l'onction? Vous devez être né de nouveau. You must live a holy life. Vous devez mener une vie de sainteté. Because the Holy Spirit cannot enter into a body that is dirty. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans une today, I must receive the anointing. Dans une vie qui est sale. Where to receive the anointing? Si vous voulez personal recevoir l'onction, il faut la discipline personnelle. You must have a time that you are praying. Vous devez avoir un temps où vous a priez. That you read the word of God. Un temps où vous lisez la parole de Dieu. A time that you meditate on the word of God. Un temps où vous méditez sur la parole de Dieu. It must be constant. Ce doit être régulier, constant. You see the vigil we are doing. Vous voyez la veille que nous faisons. Is increasing the power. Cela augmente la puissance in your life. De Dieu dans votre vie. You may not know what God is doing for you. Vous pourrez ne pas savoir ce que Dieu fait dans votre vie à travers ses veillées. Vous ne pouvez pas comprendre. There's a level. Il y a un niveau. That your prayer will get to. Où vos prières vont atteindre. That will be filled. Et vous serez rempli. Like in the book of Psalms. Comme dans le livre de Psaumes. My cup runneth over. Que ma coupe déborde. There's a level your prayers that you have been praying. Il y a un niveau où les when prières que vous faites. Quand ça sera when you rempli. Get to that level, quand vous allez atteindre ce niveau. Your problem doesn't have choice than to bow. Vos problèmes n'ont pas de choix que de vous fléchir. Plus vous priez, the more your anointing increase. Plus votre onction so augmente. Donc les prières augmentent l'onction. Where to receive the anointing? Ask for the anointing. Pour recevoir l'onction, vous devez demander. You must ask for it. Vous devez demander pour cela. I want to confess your sin and ask God to forgive you. Confessez vos péchés, demandez à Dieu de vous pardonner. Tout péché qui veut se dresser comme un obstacle à votre prière, demandez à Dieu, parlez à Dieu. Parlez à Dieu pendant 30 secondes, qu'il vous pardonne vos péchés. In Jesus' mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Écoutez-moi. The step we are going to take now. Make sure that you have your bottle of anointed oil ready now. Get it ready. Assurez-vous que vous avez votre bouteille d'huile d'onction. Get it à côté ready. De vous. Then have your instrument of your labor. Ayez l'instrument de votre instrument de travail. Anything that is present what you are using to work. Ce que vous utilisez pour travailler. Your documents. Vos documents. Your trader. Take anything that represents si, what si you vous are, êtes un commerçant, prenez tout ce qui représente votre travail. Nous allons oindre cela. Then your house where you are living now. La maison où vous habitez, vous allez oindre. You have your married picture with you. Si vous avez votre photo de mariage ou bien l'acte de mariage. You are going to anoint it. Vous allez oindre cela. Then get the picture of your children ready. Il faut avoir les photos de vos enfants. On va les and follow all the instructions that I'm going to give. Et vous allez suivre toutes les instructions que je vais donner so quand le moment viendra. The first you are going to do, you are going to anoint yourself. When the time comes, I will let you know. Vous allez vous oindre vous-même. So bring out your bottle of
Anointed oil now. Sortez votre bouteille d'huile d'onction. Father, I pray for this oil. Père, je prie pour cette Let huile. The power of God enter into it. Que la puissance de Dieu entre dans ces huiles au nom de Jésus. Que l'Esprit du Dieu vivant qui se mouvait à la surface de l'eau au commencement, que cet esprit bouge dans ces huiles. Vous, ces huiles, devenez le sang du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. You are no longer an ordinary oil. Je déclare que vous, ces huiles, vous n'êtes pas de l'huile ordinaire. Vous allez prospérer pour tout but pour lequel vous avez été vous êtes utilisé. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. In Jesus' mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. For 1.5 minutes. Vous allez prier pendant 1:30. Your right hand on your tummy. Mettez la main droite sur le ventre ou sur le nombril. Vous allez prier ainsi. Anointing of sickness and infirmity. Onction de maladie et d'infirmité. Anointing of sickness and infirmity. Onction de maladie et d'infirmité. And death. Et de mort. Upon my life. Sur ma vie. In my body. Dans mon corps. Come out. Sors. Meurs, sors, meurs, au nom de Jésus. Ouvrez la bouche et priez avec agressivité, sors et meurs. Priez pendant 1:30. In Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Your put it in one side. Il faut ranger votre d'onction quelque part. Et tous les instruments que j'ai demandé, mettez-les de côté. On va utiliser ça au moment venu. Vous allez prier ainsi. Pray it aggressively. Priez agressivement. Place your right hand on your head. And placez you placez votre main droite sur la tête. Anointing that breaks the yoke. L'onction qui brise les jougs. Anointing that breaks the yoke. L'onction qui brise les jougs. My life is available. Ma vie est disponible. Descends sur moi maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Descends sur moi. Descends sur moi. Descends sur moi. Ouvrez grandement la bouche et priez avec agressivité. You need the anointing. Secouez le corps. Pray it. Priez pendant 2 minutes. In Jesus mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. As you are to pray this one now, begin to shake your head. Comme nous allons faire cette prière, secouez la tête, secouez le corps. Do it aggressively. Faites-le agressivement. Something is going to happen. Quelque chose va se passer. Power is going to come upon you. La puissance de Dieu descendra you sur vous. Vous ne serez pas capable de tenir sur les pieds. Going to be praying this prayer, quand vous allez faire cette prière, wherever you have been tied down, partout où vous êtes lié, anything that the enemy have done against you, tout ce que l'ennemi a fait contre vous, the deliverance power of God, la puissance de délivrance de Dieu va vous libérer. Vous allez prier ainsi. Every occult yoke. Tout joug occulte. Every occult yoke. Tout joug occulte. Every witchcraft yoke. Tout joug de la sorcellerie. Every marine yoke. Tout joug des eaux. Upon my head. Sur ma vie. Upon my body. Sur mon corps. Break! In the name of Jesus. Break! Follow this instruction. Say, anointing that breaks the yoke. L'onction qui brise les jougs. Fall upon this instrument of my labor. Descends sur les instruments de mon labeur. Anointing that breaks the yoke. L'onction qui Fall brise upon les this jougs. Instrument of my labor. Descends sur Fall les instruments de mon labeur. Fall upon it now. Descends maintenant. Fall upon it now. Descends maintenant sur les instruments de mon labeur. Étendez cela. On the instrument of their labor. Étendez cela. Détruis sur ces instruments de bring travail. Food to their table. C'est ce qui leur donne, qui les nourrit. I pray. Je prie.
By the raising of the anointing. Par l'onction. Every yoke of the enemy upon this instrument of your labor. Que toujours de l'ennemi. Every yoke of the enemy upon this instrument of your labor. Let it be broken. Let it be broken. I declare deliverance upon this instrument. Je prononce la délivrance sur cet instrument au nom de Jésus. Instruments. Vous ces instruments. Bewitchment. Reject fear. Reject bewitchment. Reject bewitchment. Rejetez l'envoûtement. Rejetez l'envoûtement au nom de Jésus. Désormais. Que les bonnes portes que l'ennemi a fermées, les bonnes portes que l'ennemi a fermées contre l'instrument de votre ouvrage, joue this instrument, receive favor, soit brisé, soit pour ces instruments, recevez la faveur. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. In Jesus' mighty name, pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Anoint your house now where you are, now that maintenant, house. Maintenant, là où vous êtes, la maison dans laquelle vous êtes, il faut oindre la maison. You can anoint the wall. Vous pouvez oindre les murs. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Now, place your hand on the floor. Mettez la main par terre. On the wall. Ou bien sur le mur. You will say like this. Vous allez dire ceci. Anointing that breaks yoke. L'onction qui brise les yokes. Fall upon this place. Descend ce lieu. Fall upon this place. Descends en ce lieu. Fall upon this place. Descends en ce lieu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Don't say anything again now. Ne dites plus rien. Father, by the raising of the anointing. Par l'onction. Let every yoke. Que tout joug of wizard, des sorciers sorcières. Every yoke of witches and wizard. Que tout joug des sorciers sorcières. Every yoke of darkness. Tout joug des ténèbres. Around your house. Autour de votre maison, dans cette maison. In your compound. Dans votre concession, dans votre environnement, let it be destroyed now. Que cela soit détruit maintenant, que ce 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 soit détruit maintenant au nom de Jésus. Every witchcraft altar, tout autel de la sorcellerie, every witchcraft coven, tout couvent de la sorcellerie, dans votre environnement, autour de vous, en vous, by the raising of this anointing, par let l'onction, it catch fire and burn to ashes in the name of Jesus. Que cela prenne feu et brûle ensemble au nom de Jésus. Any satanic agent. Tout agent satanique. Around you. Autour et autour neighbor, de vous. Or living in the community. Ou bien qui vivent dans la communauté où vous êtes. By the raising of this anointing. Par l'onction. Let them lose their power and die in the name of Jesus. Ils perdent leur pouvoir et meurent au nom de Jésus. Et que les bénédictions de Dieu descendent sur votre maison, dans votre environnement au nom de Jésus. Que votre maison, que votre environnement soit trop ardent pour l'ennemi. Que ce soit trop ardent pour l'ennemi pour y entrer, pour pénétrer. Au nom de Jésus. Merci Père Céleste. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. In Jesus' mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Vous allez faire cela agressivement. Any person, toute personne, that have taken my matter to any herbalist or spiritualist, qui rapporte ma situation devant un féticheur et, any et un spiritualiste, toute personne, that have taken my matter to any herbalist, qui rapporte mon cas devant un féticheur ou un spiritualiste, pour me lier to any evil altar. À tout hôtel maléfique. Carry your load and die. In the name of Jesus. Reprends ton fardeau et meurs. Ouvrez la bouche et priez pendant une minute. In Jesus' mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Mettez la main droite sur la tête. If you have been to all these fake churches, si vous êtes allé dans ces fausses églises, vous avez fréquenté les faux prophètes, les faux pasteurs, et ils ont prié pour vous. Especially they have laid their hand on you. Ou bien ils vous imposaient les mains. Something has been transferred into your body. Quelque chose a été transféré dans votre corps. Or you have visited all these herbalists. Vous avez visité les féticheurs. Faites bien cette prière. Lay your hand on your head. Mettez la main every sur la tête. Every negative anointing. Toute onction négative. Every negative anointing. Toute onction négative.
that enter my life qui est entré dans ma vie through lay of hand par l'imposition des mains by any demonic pastor par tout démon démoniaque by any demonic prophet par tout prophète démoniaque by any demonic prophetess par tout prophétesse démoniaque by any herbalist par tout féticheur affecting my body, soul and spirit et qui affecte mon corps, mon âme et mon esprit. Brise-toi au nom de Jésus. Ouvrez la bouche et dites cela. Priez pendant 2 minutes. In Jesus' mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Toute personnalité. Tie me down with juju and sacrifice. Qui me lie avec les gris-gris et les sacrifices. Release me and die. Libère-moi et meurs. Ouvrez la bouche et priez. In Jesus' mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Or your wedding certificate, annote it now. Sortez votre acte de mariage ou bien you will say like this. Votre photo de mariage, vous allez dire ceci. Vous by allez the dire, reason of the anointing. Vous allez dire par l'onction. Let every yoke of the enemy. Que tout joug de l'ennemi. Upon my marriage. Sur mon mariage. Break. Soit brisé. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Don't say anything now. Ne dis plus rien. Father, I pray. Père, je prie. Soulevez cela. That the raising of this anointing. Que par l'onction. I pray for your marriage today. Je prie pour votre mariage aujourd'hui. Power that want to turn your marriage upside down. Que tout pouvoir qui veut bouleverser votre mariage. Your marriage. Tout pouvoir qui veut briser votre mariage. In the name of Jesus. Que ce pouvoir meure au nom anything de Jésus. That the enemy is using to attack your home today. Que tout ce que l'ennemi utilise pour attaquer votre foyer aujourd'hui. Are you believing God for a mighty breakthrough? Est-ce que vous espérez en Dieu pour les fruits des entrailles? Receive your deliverance now in the name of Jesus. Percez, recevez votre délivrance au nom de Jésus. Problem into your home. Tout pouvoir qui crée des problèmes dans votre foyer. And die in the name of Jesus. Que ce pouvoir reprenne leur fardeau et meure au nom de Jésus. Toute femme étrangère. Every strange man. Tout homme étranger a signé contre votre foyer. Il devient fou au nom de Jésus. And you that is believing God for a husband. Et vous qui espérez en Dieu pour un mari. Vous qui espérez en Dieu pour une femme. Écoutez la parole de l'Éternel, du Dieu vivant. Recevez votre partenaire divin. Recevez-le au nom de Jésus. Every yoke. Toujours place upon your getting married. Qui est placé upon your sitting down life. Sur votre mariage, pour le fait que vous soyez marié, que cela soit brisé au nom de Jésus, que votre épouse, votre femme, apparaisse au nom de Jésus. Power that has vowed that you will never get married. Les pouvoirs qui ont juré que vous n'allez jamais vous marier, en disant qui tombe et meurt au nom de Jésus. Le pouvoir qui attaque le mariage de vos enfants. Qui veut que vos enfants épousent leurs ennemis. Que ce pouvoir tombe et meurt au nom de Jésus. Merci Père Céleste. In Jesus, mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. In Jesus, mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amenez les photos de vos enfants. Si vos enfants sont là, vous pouvez les oindre. Oindre. Vous allez dire. By the raising of this anointing. Par l'onction. Every yoke of darkness. Tout joug des ténèbres. Every yoke of the witches and wizards. Tout joug des sorciers et sorcières. In the life of my children. Dans la vie de mes enfants. Soit brisé. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Don't say anything now. Ne dis plus rien, Père. Anything done against your children.
toute chose qui a été faite, tout mal qui a été fait à vos enfants, que cela retourne par le feu, que cela retourne par le feu, que cela retourne par le feu au nom de Jésus. Tout pouvoir qui veut bouleverser la vie de vos enfants, tout pouvoir qui recherche la fin de vos enfants pour attaquer. Que ce pouvoir tombe meurt au nom de Jésus. Que ce pouvoir tombe meurt. Que ce pouvoir tombe meurt au nom de Jésus. Tout rassemblement de la sorcellerie. Tout rassemblement occulte. Tout rassemblement des eaux. Contre la vie de vos enfants. Contre leur destinée. Par l'onction. Let that garden scatter by fire. Que ces rassemblements se dispersent au nom de Jésus. Que ces rassemblements se dispersent par le feu au nom de Jésus. Tout pouvoir qui veut que votre ouvrage dans la vie de vos enfants soit vain. Tout pouvoir qui dit que vous n'allez pas profiter, manger, louer de la de vos enfants qui tombent et meurent au nom de Jésus. Tout pouvoir qui attaque les cerveaux et les pensées de vos enfants, je les ordonne de libérer vos enfants et de mourir au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu descende sur vos enfants. Leur gloire qui ont été volée. Que cela soit libéré au nom de Jésus. Merci Père merveilleux. Au nom de Jésus, nous avons prié. In Jesus' mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. One and a half minutes. Vous allez prier pendant 1:30. Say anywhere, any place. Anywhere, any place. Tout lieu ou tout endroit. That any man or woman has gone to. Que une femme ou bien une femme et un homme a fréquenté. In the village. Dans le village. In the city, dans la ville, on the mountain, à la montagne, in the forest, dans la forêt, in the river, la rivière, dans la rivière, in the valley, dans la vallée, or in the desert, ou dans le désert, to tie down my life, pour lier ma vie, to tie down my marriage, pour lier mon mariage. To tie down my children. Pour lier mes enfants. By the raising of the anointing. Par by the raising of the anointing. Par l'onction. I set myself free. In the name of Jesus. Je me libère, je me libère, je me libère. Par l'onction, je me libère. Libère, libère. Oui, faites-le agressivement. Libérez-vous, libérez-vous. In Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus, now, nous avons prié. Maintenant, sortez votre huile d'onction. Now, anoint yourself, now anoint your head. Pour some on your head. Il faut enverser sur la tête, il faut vous oindre. Pour the anointing oil on your head. Enverser sur that la you are tête. Standing up. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Yes, right tenez-vous feet. Debout, mettez-vous sur pied. Anoint yourself now on your head. Il faut vous oindre la tête. Now. Place your right hand on your head. Mettez la main droite and sur la tête. This instruction. Et écoutez ces instructions. You will say, vous allez dire. Anointing that breaks yoke. L'onction qui brise les jougs. Anointing that breaks yoke. L'onction qui brise les jougs. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Fall upon me now. Descends sur moi maintenant. Fall upon me now. Descends sur moi maintenant. Fall upon me now. Descends sur moi maintenant. Be silent now. Silence s'il vous plaît. Be silent. That is the anointing. Oui, c'est l'onction. That breaks the yoke. Qui brise les jougs. Reke po seke marebo. The anointing. L'onction. That is the spirit of the living God. Ça c'est l'esprit du yes. Dieu vivant. Oui. Yes. Oui. Is possessing you afresh. Il s'empare. L'esprit du Dieu vivant s'empare de vous de nouveau. Afresh. S'empare de vous de nouveau. The anointing that breaks the yoke. L'onction qui brise les jougs. They have gone to tie you down. Partout ils sont allés vous lier. Wherever you have been tied down these years. Partout vous avez été lié cette année. Any evil. Tout mal.
that the enemy have done against you this year, que l'ennemi a fait contre vous cette année, that have caused the problem you are passing through now, et qui cause les problèmes que vous traversez maintenant, in your marriage, et qui cause des problèmes dans votre mariage, that is causing delay in your marriage, et qui cause du retard dans votre mariage, that is bringing this sickness in your life, et qui vous cause cette maladie. Holy Ghost, Saint-Esprit, set him free. Libère-la, libère-le. Soyez libéré, soyez libéré, soyez libéré, soyez libéré, soyez libéré, soyez libéré. Maintenant, au nom de Jésus. Yes. Oui. You must live a normal life. Vous devez mener une vie normale. You must live a normal life. Vous devez mener une vie normale. They know that you are a great person. Ils savent que vous êtes une personnalité. It's not because of what you are going through now. Si c'est pas à cause de ce que vous traversez maintenant, vous-même vous savez que c'est pas le niveau auquel vous devez être. That is why they did what they have done. C'est pour cela qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Là où vous êtes, God is upon you. La main de Dieu est sur vous. La main de Dieu est sur vous. La main de Dieu est sur vous. La main de feu. La main de feu. La main de feu. Soyez libéré maintenant. I break that padlock. Je brise ce cadenas qu'ils utilisent pour I vous enfermer. That that they used to tie you down. Je break that wood. Je brise ce bois qui prend pour vous représenter. The fire. Le feu. Of deliverance. De la the fire. Le feu. Of deliverance. De la délivrance. The fire. Le feu. Of deliverance. De la délivrance. It's burning from the crown of your head. Du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. From the crown of your head. From the crown of your head. Jusqu'à la plante des pieds. Be set free. Be set free. Soyez libéré. Soyez délivré. Soyez délivré. Soyez délivré. Soyez délivré au nom de Jésus. Power that want to kill you. Le pouvoir qui veut vous tuer. Power that want to die before your time. Le pouvoir qui veut que vous mourrez avant votre heure, ils reprennent leur fardeau au nom de Jésus. That personality that has vowed, cette personnalité that qui a juré dead body, that que c'est sur son cadavre que vous allez devenir quelqu'un. As you are saying, amen, I to die. En disant amen, il meurt. Anything that the enemy have done against your life, toute chose que l'ennemi a fait contre votre that vie is causing delay et qui cause du retard. Aux bonnes choses dans votre vie, tout ce que l'ennemi a fait et qui cause du retard, let it backfire. Let des bonnes choses dans votre vie, et que cela retourne par le feu. Recevez votre délivrance. Merci, Père Céleste. In Jesus' mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. In Jesus' mighty name, we pray. This is the last session. Huh? C'est la dernière session. Place your right hand on your head now. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, ask for today, désormais, as a result of these prayers, suite à cette prière, let the anointing of fire, que l'onction de feu, anointing of power, l'onction de puissance, come upon you, descend come upon you, descend come upon you, descend come upon you, come upon you, in the name of Jesus, au nom de Jésus, as a result of these prayers, suite à ces prières, your life has become too hot as for today, votre vie deviendra that the trop enemy partant, cannot touch. Que l'ennemi that ne the peut enemy pas cannot toucher. Handle. L'ennemi in the name of Jesus. As a result of this prayer, I decree and declare, let your life, let your personality begin to attract favor. Attract favor, attract favor, attract favor, attract blessings, attract blessings, attract blessings. In the name of Jesus. As for today, désormais, wherever they will mention your name, partout votre nom wherever sera they will call your name, partout votre nom sera wherever invoqué, they will present your picture for partout evil, ils vont présenter for vos attack, photos pour le mal, the pour fire les attaques, of God will appear. It will le consume them. It will consume them. It will consume them. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. You have carried the anointing. Vous portez the anointing of God is upon your life. L'onction de Dieu your story votre has vie. Changed. Votre histoire a changé. Things will begin to work for you. Les choses you will begin to receive a common favor. Vous. Common vous breakthroughs. In the name of Jesus. Sickness can no longer stay in your body. La maladie ne again, pourra pas in the name of Jesus. Thank you, vie. Wonderful Father. Merci, Père, in Jesus' mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. There shall be no regrouping, no reinforcement of darkness. Il n'y aura pas de regroupement, de renforcement des ténèbres. Again, these prayers. Contre ces prières. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. By the power in the blood of Jesus. Par la puissance dans le sang I de pray Jésus, je prie. For all the health workers. Pour tout le personnel médical. That are saving life.
qui sauve les vies, in this period of this coronavirus, pendant cette période de coronavirus, they will not be contaminated. Ils ne seront pas contaminés. They will not be affected. Ils ne seront pas affectés. They will not die. Ils mourront in pas. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. And you, the powers, et vous, ces pouvoirs, and personality, et personnalité, behind this coronavirus, responsable troubling de ce coronavirus, the world, et qui trouble le monde, troubling the church of God, qui trouble l'église troubling de the Dieu, children of God, les enfants de Dieu. Before I finish these prayers, avant que je ne fall down and die. Fall down and die. Fall down and die. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, wonderful Father. Merci, Père merveilleux. Thank you, Holy Spirit of living God. Merci, because you have answered this prayer, let your name alone be glorified. As we want to sleep, Lord, we pray that any part want to attack us, that want to be grouped against our prayers, Père, let God destroy them in the name of Jesus. Thank you, wonderful Father. In Jesus' mighty name we pray. Shout it, hallelujah. 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 Don't forget our weekend deliverance that is coming up on the 24th, 25th. N'oubliez pas notre délivrance de week-end qui aura lieu les 24-25. Que Dieu vous bénisse.